Vous avez entendu Benoît Richard, lieutenant-coordonnateur aux communications à la Sûreté du Québec, faire le point, finalement, sur ce qui se passe, oui, dans la région de Québec comme événement violent, mais également, ça déborde, on le voit, là, on a parlé du Saguenay, de la Côte-Nord aussi, comme région qui était dans la mire des policiers pour y mener, finalement, des opérations de visibilité, entre autres choses. Le lieutenant Richard qui a également parler de gens qui sont rencontrés, des gens dont la vie pourrait être menacée par cette guerre ouverte, donc ce conflit qui oppose, entre autres choses, des Hells Angels avec des trafiquants indépendants. On en a fait état à plusieurs reprises dans les dernières heures. Donc, Benoît Richard qui parle d'une centaine de policiers qui se trouvent donc dans le secteur de Québec, mais également dans d'autres régions, policiers de la Sûreté du Québec. On est en mesure d'aller parler avec notre collègue Félix Séguin, qui se trouve sur le terrain, était à ce point de presse de Benoît Richard. Bonjour, Félix. Bonjour. Bonjour, Marianne. On a écouté le lieutenant Richard. Des infos que vous avez, selon vos sources, à quel point les policiers intensifient à ce moment-ci leur action par rapport à cette guerre ouverte, à ce conflit entre factions du crime organisé? Bien, c'est une intensification là, sans précédent de la répression policière dans le conflit des indépendants contre les Hells Angels dans la région de Québec, à l'est aussi de la région de Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon nos informations, toujours, Marianne, il y a une partie de l'état-major là, de la Sûreté du Québec là, qui a fait le voyage dans la vieille capitale là, pour venir superviser cette opération là, qu'on n'a pas vue depuis plusieurs années, en tout cas en termes quantitatifs, une centaine de policiers sur le territoire. Ça aussi, c'est sans compter les policiers du service de police de la Ville de Québec qui seront mis à contribution au cours des prochains jours. Ceux de Lévis également, ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il va y avoir trois axes importants d'intervention. Premier axe, on l'a vu, là, il y a des arrestations dans le dossier Saint-Malachie. Mm-hmm. Des prévenus qui seront rencontrés au cours des prochaines heures et peut-être des accusations à la lumière de ces rencontres qui seront déposées. Il y a également des membres en règle du crime organisé qui ont été rencontrés. Quand on dit membres en règle, là, je parle même des Hells Angels de différentes sections au Québec. Si ce n'est pas fait, pour certains, ça sera fait dans les prochaines heures. On verra les policiers aussi, nous confirment de bonnes sources, dans les débits de boissons où les membres du crime organisé ont leur habitude, ça dans toutes les régions. Ça fait partie de cette grande stratégie-là qui s'appelle Centaure, stratégie pour contrer la violence armée au niveau national. Il y a aussi la stratégie de l'Enerco, l'escouade de répression contre le crime organisé qui est déployée. Ça veut dire qu'au fond, ce qu'on a comme information, c'est que la police et le lieutenant Benoît Richard vient de l'affirmer, je ne m'abuse, de vient de sonner la fin de la récréation pour ces jeunes qui sont un peu désorganisés, mais qui viennent se fédérer à ce fameux Dave Turmel qui, de sa cavale en Espagne et en Europe, en Espagne et au Portugal, commande ces exactions, ces gestes, ces séquestrations, ces événements de torture depuis des semaines. Oui. Comment, Félix, on explique d'ailleurs que Turmel ne fasse toujours pas l'objet d'un avis de recherche d'Interpol alors que ça a été fait pour des cas similaires? Parce que c'est compliqué, Marianne, selon nos sources. On n'a qu'à lire l'article rédigé par Éric Thibault ce matin dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, qui nous parle de la notice rouge. La notice rouge, c'est ce qu'ont besoin les policiers canadiens pour qu'Interpol, qui compte un peu plus de 150 pays membres, là, qui en fait une énorme organisation de collaboration policière, puisse être capable d'arrêter, lorsqu'il sera localisé, Dave Turmel. Ça s'est fait pour d'autres criminels québécois. Luca Rocco Magnotta, ça s'est fait également. Il y a des notices rouges qui visent des Hells Angels qui sont en cavale. Et dans tout ça, il y a une collaboration avec le ministère fédéral aussi de la justice. Et c'est là où, des fois, c'est plus long. Et on doit supputer beaucoup présentement sur est-ce que Dave Turmel, nous disent les sources, pose un degré de dangerosité qui fera en sorte qu'on va accepter d'émettre cette notice rouge. Pour les policiers, c'est l'évidence que Dave Turmel est dangereux, mais il n'y a pas que lui dans ce conflit régional. Dave Turmel est, pour certains policiers, une anomalie dans le crime organisé. Parce que, bon, il est violent depuis son adolescence. Il est soupçonné d'avoir
volé une vingtaine de kilos de cocaïne aux Hells Angels, qui a un peu commencé cette guerre-là avec les indépendants, est allé se cacher ensuite en Europe. Il y a d'autres individus. Il y a Al Boivin au Saguenay. Lui aussi, il est en cavale, d'ailleurs. Il y en a un autre sur la Côte-Nord qui a un conflit ouvert avec les Hells Angels. Si bien que c'est pas si simple de régler ce conflit-là. Et à un moment donné, ce qu'on s'est dit à la Sûreté du Québec, c'est toutes les enquêtes en cours, là, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on traînait depuis longtemps dans les tiroirs, là, ce qu'on appelle les enquêtes de niveau 1, des enquêtes sur la vente de petites quantités, exemple, là, de stupéfiants ou des incendies criminels ou des coups de feu tirés sur des endroits qui sont liés aux sympathisants des Hells Angels ou Hells Angels eux-mêmes. Bien là, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que on va faire le ménage là-dedans. Ouais, on va faire des arrestations. Là, il y en a peu, mais tantôt, il va y en avoir plusieurs. On met tout ça en commun. Et d'ailleurs, le lieutenant Richard a dit on n'arrêtera pas tant et aussi longtemps que ça ne prendra pas fin à tout ça. Le commun des mortels a pris connaissance de ce conflit grâce à votre travail au bureau d'enquête à l'émission JE. Mais vous êtes sa cour depuis un certain temps de façon isolée dans une région et dans l'autre. Ça fait un bout de temps que les policiers surveillent ce qui se passe entre ces clans-là à Québec notamment, mais dans d'autres régions? Oui, depuis 2022, parce que depuis 2022, un moment où le fameux caïd Dave Turmel a décidé de s'affranchir des Hells Angels, parce qu'avant, il faut bien le mentionner, il achetait les stupéfiants qu'il revendait des Hells Angels, de la section de Québec, de l'organisation criminelle. Il a décidé de ne plus faire affaire avec eux, de développer ses propres réseaux de distribution, avec notamment le gang de rue montréalais des Profit Boys, et c'est ce qui a semé un peu la zizanie au sein de ce climat, si on veut, qui était déjà assez unique à Québec. Alors, maintenant que ça s'est dit, donc, disons-le, ça fait un an, ça fait presque deux ans, au fond, là, qu'on vit ces tensions-là, mais au cours des dernières semaines, ça s'est exacerbé, alors que les Hells Angels ont tenté de négocier une trêve, sauf que, avec la violence de certains acteurs qui autrefois avait aucune importance dans le milieu criminel à Québec, ça force aussi les policiers à répondre et peut-être même, nous dit-on, les Hells Angels de d'autres chapitres à se mêler de ce conflit-là, eux qui voient leur image de marque, je mets des guillemets, en quelque sorte souillée, Marianne. Entachée par ce qu'on apprend. Donc, Félix, vous disiez possiblement des arrestations qui seront effectuées cet après-midi. On comprend, puisqu'il y a, point de presse, entre autres choses, qu'il n'y aura pas d'effet de surprise, mais en même temps, à quoi s'attend-on là, pour les prochaines heures, ce soir également, quand vous parlez de débit de boisson? Oui, bien, les policiers, dans les opérations policières, sont de petits cachotiers, on pourrait dire. Alors, depuis déjà tôt ce matin, il y a des visites qui sont en cours, puis des arrestations. Alors, ce que l'on sait, la pointe de l'iceberg qui est visible à la surface de l'eau, c'est ce dont le lieutenant Richard nous parlait tantôt, les arrestations dans le dossier Saint-Malachie. Mais selon nos informations, il y en a beaucoup plus en cours, il y en a beaucoup plus à venir. Puis pas seulement au cours de la journée, au cours de la journée de demain, au cours de la journée de dimanche et même la semaine prochaine. Félix Séguin, animateur de l'émission JE, on vous laisse travailler sur le terrain. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Au N'hésitez revoir. Pas à nous revenir s'il y a quoi que ce soit. À tout de suite. Au revoir.